Yo, c'est le Stan FC2, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Vidéo sur. Je sais pas ce que mes écouteurs ils foutent là-bas. Vidéo sur Junior Bando. La BP. Alors la BP, je sais pas ce que c'est censé dire. Qu'est-ce que j'aurais mis? Allez, on va opter pour quoi? On va opter pour la bague policière, non. Je pense pas que... je pense clairement pas que ça soit ça. Ouais, je vais voir ce que c'est en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Ça dit qu'apparemment il n'aurait pas besoin d'autotune pour percer. Donc, si un mec, franchement, qui n'utilise pas d'autotune. Alors, après, l'autotune, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Ça dépend de comment vous l'utilisez, etc. On va voir ce que ça va donner quand même. J'ai pas déjà fait une réaction sur lui? Si, si, je crois que j'ai déjà fait une réaction sur lui en plus. Hein. Je sais pas, je sais plus ce que j'avais dit du tout, mais j'en ai déjà fait une. On va voir ce que ça donne. Let's go! Qui rentre avec la bébé, va rentrer des billets obligés. Pas comme des rappeurs qui se foutent tous oublier. Dépasser des billets dans le carré obligé, obligé. Qui rentre avec la bête ce soir, rentre avec la bête ce soir. Qui rentre avec la bête ce soir, rentre avec la bête ce soir. Les bouteilles sur la table, c'est comme les fesses, on préfère les grandes tailles. T'as capté, je suis dans le délire. Rentrer avec la bête, c'est un délire. On m'envie, on m'évite dans le check. La bête. J'ai le ballon, je fais la malade dans le club comme un gravon. Tu veux savoir combien touche mon patron? On va voir en calme dans la ville en 4x4. Tu t'imites sauf si je mets à 4 pattes. Le milieu, je vais le péter chez le backpack. Et sur la vie de ma mère, c'est en tac-tac. Qui rentre avec la bébé? Ils ont vraiment fait un mec. Ouais, désolé, j'avais coupé la vidéo parce que, ouais, du coup, je sais pas si vous avez entendu le petit bruit chelou tout à l'heure. J'avais arrêté pour voir pourquoi l'appareil avait fait ce bruit-là. Mais, ouais, non, c'est parce qu'il était en batterie faible. Donc, au moins, c'est pas grave, j'ai le temps de finir la vidéo. Alors, le clip, bah, clairement, lourd. Clairement, il est bien. Alors, du coup, la BP, seul problème, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Lui, il prononça la BEP. Sauf que je sais pas. De toute façon, vous savez quoi? Je suis sûr, dans ceux qui vont regarder la vidéo, il y en a sûrement un ou une, ou plusieurs, qui sauront ce que ça veut dire. Je compte sur vous comme d'hab. J'étais en train de réfléchir à un truc. Je savais pas que tu pouvais à ce point réussir un clip, au niveau ambiancement, etc. Juste en le filmant. Alors, la moitié du temps dehors et l'autre moitié du temps dans une épicerie. Parce que, ouais, c'est ça, les épiceries des Indiens, là. Sachant que le backpack, lui-même, ça se voit, le mec qui faisait des GDR comme ça se voit qu'il comprenait pas du tout ce qui se passait. Ça se voit qu'il comprenait pas les paroles, donc. À moins que ça soit un mec qui soit vraiment dans le clip, j'y crois pas trop parce qu'à sa tête, ça se voit qu'il comprenait pas. En tout cas, c'était Losters. Moi, j'ai kiffé. Non, franchement, propre. Continue à me donner des clips auxquels réagir, parce que comme je vous ai dit, le rap français c'est un truc que j'écoute pas du tout, mais genre zéro, que dalle. Ça m'intéresse même pas de base, donc si je peux découvrir des trucs bien comme ça, pas des mecs qui chantent en criant, etc., des gens qui juste ambiance comme ça, moi ça me plaît. C'était Losters. Tchuss!